Yep. Bah yes hein, du coup. En plus le jeu, le... Ma musique me troll, elle me met l'OST de Resort. Dégage. Je veux plus entendre parler de toi. Après le thème d'Aeris, hein. C'est pour faire le deuil de la run d'avant. Oh là là, mais what the fuck. Évidemment, évidemment, là c'est first try, bah oui, évidemment. Eh, sinon c'est trop facile. Quelle arnaque, quoi. J'adore cet ultra bas. Autant la strat que tout le monde fait, je la trouve immonde, mais alors cet ultra il est génial. Allez, encore une run qui va presque gold, mais en fait non. Ah non, c'était un gold en plus, le fuge mess de tout à l'heure.
Je me suis auto-karma à dire que c'était bien avant la fin du checkpoint. Aïe aïe aïe. Putain, c'était presque bien quoi. What? Ok, c'était vraiment bizarre. Mais bon, c'est passé, hein. Ah, à l'aide. Ah voilà. Cette aurore là save 7 secondes, très bien. J'ai fait n'importe quoi en fait dans mon PV ici. Hein. Je déteste quand ça arrive. Connard d'Oshiro de merde. Ah ça y est, le sel arrive. Hein. Ok. C'était bizarre. Combien de morts? 3 morts. Eh bé. C'est combien le fuse mass? 1,51. Oh, the fuck. En vrai, 1,51 ça va, mais c'est pas...
C'est pas ouf. C'est moyen, quoi, on va dire. C'est le fameux peut mieux faire, en fait. J'ai sauté 4 fois trop tard. Ah, c'est un gold. Ouais, 2-0-2. En espérant que Old Trail sera mieux cette fois. Chaque fois je dash trop tôt. What? Alors ça peut pas de 40, par contre ça fait un glow de 50, ce qui est parfaitement acceptable. Voilà. Ouais, après une série de tentatives de démodage, j'ai réussi à en faire 6 d'affilée. Bah c'est bien. Après si t'en rates 28, c'est pas grave, hein, c'est l'entraînement aussi. Hein. Quand tu t'entraîneras, t'auras toujours des trucs un petit peu bizarres. Ça, c'était un bon all-trail ça. Tu sais, quand j'ai commencé à faire le démodage, j'y arrivais pas. Hein. Je devais prendre le checkpoint qui est juste à côté, et je le ratais 4 fois, mais ça me savait toujours du temps en fait. Parce que pour 15 secondes de time save, enfin, c'est ultra worth de le faire, même si tu le rates en boucle. Ouais, même si tu le rates 5 fois, c'est plus rapide en fait. Parce que si tu le rates 5 fois, bah c'est... Ça te fait quoi? Ça te fait une seconde et demie, je crois, par fail. Non, ça fait 2 secondes. 2 secondes par fail. Plus 2 secondes pour aller prendre le checkpoint. En fait, tu peux le rater 6 fois avant que ça devienne pas worse, quoi. Même 7. Merde. Putain, mais sérieux? Mais what the fuck? Merci. Yeet! Aïe aïe aïe.
1,27. 1,30 même. Bah, c'est un bon split ça. Je sais pas ce que j'ai foutu dans la room 8. Pas très grave. Allez, un petit bob drop là. Let's go! Le free time save! Ah ouais. First try. Mais en fait, si je le rate. Merde. Par contre, il s'agit pas de reperdre tout le temps derrière. Si je le rate, je le retente pas en fait. Je vais juste prendre la clé. C'est soit first try soit rien quoi, parce que en fait Bob's Drop c'est tellement tiltant que j'ai pas envie de me faire chier à tout retenter en boucle. Ouais. Et c'est worse de le retenter que si tu l'as du deuxième coup. Donc en fait c'est un petit peu près les mêmes enjeux que la première. Et du coup j'ai pas envie de m'emmerder. Ouais. Ça passera pas, ouais. Heureusement, j'ai le réflexe de me dire que ça passerait pas. Ah, on me fait, hein. Après, je te conseille quand même de switch sur 5B le plus tôt possible. Parce que 5B, c'est juste trop rapide en fait. Je te montrerai dans le journal le temps que ça met à faire 5D plus tape. C'est absurde. Oh le save. Oh là là, cette save elle est géniale. Que j'étais en avance. Ça c'est un gold, sérieux? Ok. Ah bah un gold de 2 frames, super. Voilà, 4,26. Si t'arrives à avoir un 5A qui fait 4 minutes 26, bah bien joué, parce que moi j'arrive rarement à passer en dessous de 5 minutes. Donc là, ça me save plus de 30 secondes en fait. Donc je peux juste pas me permettre de faire 5A. Il y a des grands malades comme Bobai qui ont eu un 29 avec, avec 5A, mais je ne fais pas partie de ces grands malades. Ton 5B à 12 minutes, ton 5A à 6, ouais. Après, je te conseille quand même de le train si tu peux. Pourquoi j'ai pas de dash dans la plume? Parce que 5B, franchement, ça redescend vite. Même si tu fais pas Bob's Drop, ça peut très vite descendre. Je vais pas tenter la rival strat. Allez, on est reparti.
C'est vraiment close. Puis 5B, tu peux très vite descendre à 4 minutes. Hein, avec des strats franchement simples. Après, le plus important, ça reste de s'amuser, donc si tu préfères faire 5A, mon bro, bah fais 5A. Hein. Alors, je vais juste me concentrer sur cette section, je rattraperai le chat après. Parce que 6B, c'est dur. Ok, fast-fall qui passe. Bon, 2,15, ça va. Perdu un peu de temps, c'est pas bien grave. C'était un gold, hein. Mon PB, ça avait un gold dans ce checkpoint, donc c'est normal si je perds du temps. J'étais pas mort sur ce Zodiac Dash. Ok. Allez, on se concentre. Je veux vraiment pas prendre de risque en fait. Je savais que j'allais pas avoir le cible, donc j'étais trop haut. Ok.
4,55, c'est honnête. Au final, je save quand même du temps. Merci bien. C'est assez safe et j'ai 2-3 morts un petit peu bizarres, mais. Pas bien grave. Je bois un peu d'eau parce que. Parce que là, on est sur du pace. Hein. On est sur du pace. Un truc un petit peu plus. Ok. Ah, j'aurais dû mettre Summit B. C'est pas grave. Elle m'avait carry mon dernier summit, l'OST de Summit B. Je sais pas si je t'avais répondu, je suis désolé. Merci. Et ouais, c'est un pas vers le pace. Hein. Là pareil, je vais pas trop lire le chat, je m'en excuse. J'ai envie de pouvoir focus. J'espère que vous comprendrez. Secondes. Ouais. Donc là, si j'avais un ghost, je l'aurais clairement dépassé. Parce qu'en fait, ce qui fait que j'ai ma 1500 mètres de 1,19, c'est que je suis mort genre 3 fois dans la room là, avec les ultra dash. Bon, à partir de là, il s'agira de bien jouer.
suis mort au début, donc c'est pas trop... Ça aurait été un petit peu plus problématique si j'étais mort sur le dernier jump. C'est pas grave, de toute façon les erreurs ça arrive, donc il s'agit de s'y adapter. Merci pour le follow. Ces alertes sont vraiment trop fortes. Je me suis encore défoncé les oreilles. Bon, est-ce que je peux avoir une OST qui me donne envie de jouer? Maintenant il s'agit de bien jouer. Ok, good. J'ai paniqué. Allez, 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 on se focus.
Nice. La run est validée. Le door skip. Bon, 8,53, c'est pas idéal. Mais bon, ça va marcher. Nice. And we're back to 256, 3k, which is beatable. J'ai un peu le seum à cause de cette mort, là, flag 17, normalement ça arrive jamais. Ah putain, je dois dilate. J'ai pas eu le corner boost épilogue. Bah let's go du coup. Comme quoi, il suffit d'un tout petit grind et puis ça passe hein. Let's go. Alors, est-ce que j'en refais une? Oh putain, en plus, je suis à 28-20 SOB. Bah voilà, une bonne run. Bon, c'est pas ouf. Le Bob's Drop qui passe, ça c'est cool par contre. Le Ridge était vraiment bien. Resort, bon ça allait. Après Summit va... Pff, ouais. Sight était une dégueulasse par contre. Hein. Je sais pas à combien j'étais. Awake. Ah non, c'est Star. Ah, j'ai perdu 8 secondes au début quoi. Let's go. Ah voilà, j'ai perdu tout le temps que j'avais gagné. City va à 1-12 hein, comme d'hab. Ridge était bien par contre. Hein. Et juste la mort à Cliffface qui m'a un peu fait chier, mais bon, c'est pas très grave. 5B, bah c'était 5B. Hein. J'ai perdu du temps, mais en fait, comme j'ai eu Bob's Drop, bah, j'ai tout regagné derrière. Et puis 6B, bah... Alors c'était bien jusqu'à ça en fait. Ça, je sais plus ce qui s'était passé. J'étais mort où à Bali? Ah non, c'était le... C'était le la chute. Ah ouais, c'est les trois morts au... Ouais. Faudrait vraiment que je traîne ce diag hein, parce qu'il est vraiment dur. Et bon, reprieve, 1-22, j'essaye 7 secondes. Alors j'ai une mort immonde. En vrai, je peux save genre 15 secondes sur réflexion. Hein. Oh, c'est faisable. Bon. Bah, je crois que...